La commémoration de la proclamation de la République du Congo ce 28 novembre 2021 à Pointe-Noire a été marquée par le dépôt d'une couronne de fleurs au rond-point place de la République par le préfet du département, Alexandre Honoré Paka. Une cérémonie de la journée de la République dont le caractère solennel est amplifié par la musique militaire. Le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, heureux d'avoir accompli cet acte républicain, dégage ici la portée de l'événement. Je n'ai pas un message contraire à celui du gouvernement de la République qui a été rendu hier par le Premier ministre Anatole Kolyné-Makoso. C'est une journée que vous connaissez tous, pleine d'histoire. Et nous, en tant que département de Pointe-Noire, nous ne pouvons pas déroger à la règle. Nous sommes là donc pour ça. Nous avons commencé par honorer nos pères fondateurs. On a déposé la jonction de fleurs et tout à l'heure, à 10h, de manière simultanée, dans les 6 arrondissements de la commune et la communauté urbaine de Tchamanzassi, il va y avoir une évocation au cours de laquelle des conférenciers ont été choisies et qui parleront de cette journée du 28 novembre 1958.